Allez, un petit tour sur mon chouchou du moment entre guillemets. Pierre le Noir, le Black Panther, Black P. Alors, qu'est-ce que tu roules, toi? C'est quoi? C'est le Hobitech Evo, combien? Evo 2, ouais. Et donc, c'est quoi? C'est les 4S RTR, ça? Ouais, les 4S, quoi. Les tout derniers qu'ils ont fait, là? Ouais. Ah, et donc, c'est le même que... J'ai oublié son nom. Mais là, j'ai rechangé la platine de support, vu que c'était la 4 mm, je l'ai plié, j'ai pas arrêté de la plier, là, j'ai mis la 5. Ouais. J'ai fait une chute à la plier. Ouais. Bon, là il me reste juste les différentiels à changer parce que tu m'avais dit de mettre du 10, 60 et 40. Ça, il faut juste que je le fasse. Ouais. Là j'ai changé les amortos, là, l'huile. Mm-hmm. J'ai mis du 300 dedans. Ouais, un peu plus souple. Hein. Ouais. Bah, ici t'es obligé. Hein. Bah, tu vois, regarde, moi je suis méga souple hein, et tu, ça te permet de survoler. Tu vois. Ouais, de survoler. Ouais. Mais tu vois qu'elle accroche mieux quand même. Les amortisseurs souples. Ah, c'est clair. Hein. Là sur une piste comme ça, t'as pas le choix. Si t'as... Après, si tu vas sur une piste comme l'Obsan, c'est l'inverse. Toi. Bah, tu vois, là, comme les roues elles peuvent. Ouais, elle bouge, elle reste tranquille, quoi. Ta femme, elle roule sur quoi? J'ai acheté un Rock Terra. Ouais. Mais bon, là, j'ai cassé le support carreau de derrière, déjà. Ouais, il est super fragile. Et là, on a perdu une vis tout à l'heure. Bon, après, les supports carreaux, tu peux les changer, t'es pas obligé de mettre l'origine. Non, j'ai imprimé les pièces. Ouais, en plus, ah oui, c'était imprimé, c'est bon. Je les ai imprimés, ouais. Et Jean, tu roules sur quoi? VSE. VS2 ou là E1. Avec la carreau incassable du 2. C'est ça, c'est ça. Moi je te regarde. Ah merde, regarde là-bas, il y a le fer à béton qui dépasse, regarde. Ah ouais, pas bien. C'est parce que normalement les pneus ils sont par-dessus. Voilà, ça c'est mortel hein. Vas-y, je te suis. Je me suis fait arrêter net par un caillou. J'ai déraciné le caillou. Oh la vache. Arrêtez net. Il est plus là. Allez, on va rouler à plusieurs. Mais moi, ce que je préfère, c'est faire du 8. C'est rouler les deux pistes à la fois. Ah, j'ai encore loupé. Elle m'a dit 10 balles si je le dégomme. Et après du coup là je vais tout droit et je fais la deuxième. Ça te fait un circuit immense en fait. Moi j'adore. Il pourrait même encore être 4 fois aussi grand que je serais content aussi. Ah, l'envers. Parce que j'arrive.
Ah parce que je mange ma pomme en même temps. Mais dis donc, tu lâcherais pas la merde. Je pense qu'il y en a qui dépensent 650 balles pour un Asuga au lieu d'acheter ça à 550. Qui fait les mêmes dimensions. Il est plus léger avec la même patate. Et il a des meilleures roues. Câble moteur. Ouais. On verra quand tu auras pris feu. Je ferai un petit diagnostic après. T'es gentil Manu quand même. On fait et on verra après ce que c'est. Faut un peu de spectacle là, du show là. Tu peux être sûr si tu mets un feu de Bengale avec une commande à distance juste pour faire des vues, tu sais. Oh, tu fais genre là, ça brûle dans la voiture, mais y'a rien. Et tu mets un titre, tu sais. Oh, j'ai décroché un cardan derrière, c'est ma journée. C'est ma journée cardan. Tout va bien, c'est un caillou. Ça va Jean? T'as mis un pignon combien? 17 ou 18. Hein? En 4 ou en 6? 6. Ouais, c'est trop. Et c'est un combien de carré? 2050. Ouais, moi ça devrait aller quand même. Bon après ça chauffe au soleil là. Et t'as pas d'aération là, un carreau? C'est bon, c'est un caillou. C'est un caillou dans la jante, c'est tout. Il y avait une petite crotte noire sur la route là. Ouais ouais, normal. Mais où tu vas là, Guigui? Moi je l'attends exprès, tu sais. Ouais mais attends, faut que je... j'arrive pas d'ici. Faut que je change de côté. Ah, faut t'habituer. J'arrive pas. Faut que j'aille de l'autre côté. Mais c'était de l'autre côté, tu peux pas faire des 8. Bon, je roule à Kelly. Attends, quand j'aurai fini ma pomme, ça ira mieux pour les trajectoires. Dans toutes les lignes droites, je croque un bout. Je la laisse aller là. Et moi qui mange la pomme, c'est toi qui te croûte? Ouais, oui. Non, j'ai fait exprès pour que tu puisses manger. Grâce-toi. T'as vu comme je t'ai soufflé? C'est pas moi, c'est pas moi.
Cette fois, c'était pas moi. C'était nous, pas moi. Au Bitec, j'aime pas trop les retourner, j'ai peur de casser un triangle. C'est pour ça que je m'arrête même pas. Mais c'est pas des conneries, hein. En plus ça nous était arrivé plus d'une fois. Tu tapes sur le côté, tu sais, pour le redresser. Alors soit on avait pété la jante ou le fusée pour fusée. Là, j'ai 4,7 kg, le Asuga il fait 5,3 kg ou 5,4 kg avec une lipo 6. Et il est juste moins large, c'est tout. Il est trop lourd ce truc. Il est juste moins large. J'ai pas trop compris le concept. Je m'attendais à un truc dans les 4,2 kg, 4,3 kg, tu vois. Ils ont mis trop de plastique pour rien. C'est encore pas moi. Le Triton avec les roues machin, il va super là. Hein. Ah, et tu vois là, le XB il te sert parce que quand ça glisse comme ça, tu vois, tu peux verrouiller tranquille. C'est ça, je mets un coup de gaz dans le virage et c'est reparti. Et comme ça glisse, tu stresses pas les diffs quand ça bloque. Voilà. Parce qu'avec les pneus d'origine, quand t'es en l'air, un backflip, t'atterris mal, c'est mort. Une roue qui touche, c'est fini. Trop de frein. Fallait pas hésiter. On était bien. On était bien en parallèle en plus. Ah, noix sortie. Enfin, carrément sorti de la noix, non?
Merci Raph. Moi aussi là, on était bien hein. Regarde ça comme il avale les bosses ce machin. Ah. C'est passé, pas de direction. Caillou. Il n'y a plus de direction d'un coup d'un côté. Un mignon Black Panther. C'est chez Selp. Sind die überhaupt Bodies bauen? Das Ding kostet 550 Euro RTR, kostet das Ding. 100 Euro billiger als ein Asuga. Ist gleiche Maß, nur ist der Asuga ein bisschen dünner. Der Asuga ist aber mit Lipo 6. Nein, das ist Truggy Maß. Der Asuga ist Truggy. Ja, aber. Und der Asuga ist jetzt 700 Gramm schwerer noch als das Ding. Ja. Wo ist jetzt da der Sinn von dem Bau? Asuga habe ich nicht gedacht, das könnte hier drauf auch nicht so schlecht sein, oder? Ja, der Koralli-Kunststoff ist nicht okay. Die hier fahren, haben alle die gleichen Probleme. Querlenkerriss und Schocktower knicken. Und wenn es den Schocktower nicht knickt, knallt es die vordere Zelle. Aber hätte es